Dans cette vidéo, je vais ouvrir 5 méga animodules dans le jeu PKXD. Ce sont les boîtes les plus chères du jeu. Vous allez pouvoir donner un nom à chaque animal. Donc chaque animal, vous allez taper dans les commentaires le nom que vous voulez lui donner. Et je choisirai les meilleurs commentaires pour le nom de mon pet. Allez, on ouvre ça dès maintenant. Il y a 12% d'avoir un légendaire. J'espère avoir une petite licorne. Oh, c'est un bison hors du commun cam. Il est trop mignon. J'ai trop beau le bison. J'adore. Et on va maintenant ouvrir le deuxième animodule dans le jeu. Et là, c'est quoi? Ah, c'est quoi? Un cerf! Trop bien! J'adore le cerf. C'est un animal de la forêt. Il est trop beau. Avec ses petites oreilles un petit peu néon vertes. J'adore. Je suis super fan. Franchement, trop classe le cerf. Trouvez-moi un petit nom. Hein. Un petit nom de la forêt, ce serait trop bien. Allez, on ouvre maintenant le troisième méga animodule. Attention, ça coûte 6000 pièces dans le jeu PKXD. Le jeu est gratuit hein, sur mobile, iOS et Android. Et là, attention, c'est quoi? Oh, le suspense est à son comble. Oh, un hérisson hors du commun. Oh, il est timide. Oh, bah, j'aime bien les hérissons, sont tout petits dans la vraie vie aussi. Ils sont trop mignons. Alors, je rappelle, j'ai déjà fait une vidéo unboxing. Et justement, je vais bientôt faire la vidéo où je vais baptiser les meilleurs noms que vous avez donnés pour tous les animaux, pour toutes les vidéos unboxing. Donc là, c'est la dernière. Attention, j'ouvre ce méga animodule. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, j'aimerais bien avoir le renard de feu. Hein. Ce serait trop cool parce que j'ai déjà la licorne en fait. Alors, ça va être quoi? Ça va être quoi? Oh, raton laveur hors du commun. Il est peureux. Ah, j'aime bien, il est mignon aussi. Avec le petit orange comme ça, les petites oreilles. J'adore. Allez, on fait le dernier unboxing. Attention, cet unboxing est vraiment très important, les amis. Pour récupérer le renard de feu, c'est maintenant ou jamais. On croise les doigts hein, pour le renard de feu. Oh oui! Yes! Un renard de feu légendaire, les amis! Il est malin en plus! Oh, trop bien! Je suis trop content! C'est un des pets les plus rares du jeu PKXD. C'est un des plus rares! Oh, incroyable! Le renard de feu, un des pets les plus rares, les amis. Dans PKXD, dis-moi quel animal vous avez le plus rare du jeu. Moi, j'ai maintenant la licorne et le renard de feu. Franchement, c'est trop beau d'avoir ces pets. Je suis trop fan. C'est trop bien. Donc maintenant, vous allez donner un nom à chacun des pets. Et je choisirai dans une vidéo les meilleurs noms. Et je ferai un classement. Et à la fin, je donnerai le nom que vous aurez choisi. J'ai déjà fait une première vidéo, c'était il y a 2-3 mois. Où notamment, vous pouvez donner un nom à la licorne. Vous m'avez mis des noms trop géniaux. Il y a des noms trop géniaux dans les commentaires. Je n'ai pas encore choisi. Donc la prochaine vidéo, les amis, prochaine vidéo... Eh bien, je prendrai les noms que vous avez donnés dans la vidéo 1 et dans cette vidéo-là. Donc, pour chacun des pets, c'est vous qui allez les baptiser et je donnerai leur nom dans le jeu. Ce sera un peu nos animaux à nous et je m'en occuperai, je leur donnerai à boire, à manger, on jouera avec. Et surtout, les amis, ça fait trop plaisir d'ouvrir ces méga animodules dans PKXD. Franchement, économiser les pièces, ça vaut le coup pour pouvoir faire ce type d'unboxing. Le renard de feu, c'est vraiment... un des plus rares dans le jeu et il est trop beau. Même quand on marche, regardez, incroyable, il y a même des petites pailles de feu là qui marchent. Oh, c'est trop bien, on dirait qu'il est bouillant, on dirait qu'il vient d'un volcan carrément quoi. C'est vraiment excellent de voir ça. J'adore quand il marche, c'est trop stylé. Bah, c'est comme la licorne, quand on marche, on a les petites flammes de la licorne multicolore. Bah, le renard de feu, c'est pareil. Oh, c'est trop beau, avec la queue comme ça. Il est vraiment stylé. J'ai hâte de le faire grandir. En tout cas, ma licorne est déjà devenue adulte. Et là, le renard de feu, pareil, bah, je vais faire pousser au maximum. Et je suis content parce que j'ai vraiment deux pets ultra légendaires. Donc vous, dans les commentaires, les amis, vous allez me dire quels sont vos pets légendaires, quels sont vos pets de rêve que vous aimeriez avoir dans PKXD. Et surtout aussi, n'hésitez pas, les amis, à laisser vos pseudos PKXD et à m'ajouter en ami. Car je vous rappelle que la série des « Je visite vos maisons » va bientôt reprendre. Et justement, je prépare une battle contest. En fait, je vais bientôt lancer des vidéos. On visitera 3 maisons en même temps. Et dans les vidéos qu'on fera, eh bien c'est simple. Ce sera la maison qui aura le plus de votes qui gagnera le contest. Donc vraiment, on va faire des petites battles comme ça. J'ouvre un dernier animodule. Les amis, on va voir si on a encore la chance avec nous. J'ouvre un dernier animodule. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un méga, hein, c'est un méga animodule. Ça coûte le plus cher. Attention, combien de pets dans PKXD? Oh, imaginez, j'ai un deuxième licorne. Ce serait trop beau.
Et là, c'est quoi? Oh, un ornithorynque! Il est rare et paresseux. Génial, il est super rare, mais tu vois, il fait rien à la maison. Tu vois, il dort tout le temps. C'est l'ornithorynque trop paresseux. Bon, moi, je suis quand même content. J'ai eu mon renard de feu. C'était vraiment l'essentiel. Je rappelle, hein, le méga nid module, ça coûte 6000 pièces. Il y a 12% d'avoir un légendaire, 31% d'avoir un épique et 35% un rare et 22% un hors du commun. Donc vraiment, tout le monde a ses chances. Mes pets commencent vraiment à grandir, ils sont trop beaux. J'ai vraiment hâte de les faire grandir au maximum. Donc on se quitte maintenant les amis sur un petit preview de prochaine vidéo qui va être je visite vos maisons, la super battle. Je visite 3 maisons en même temps et on choisira quelle est la plus belle maison dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos pseudos PKXD et rendez-vous à très bientôt dans le jeu pour Je visite vos maisons. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne car comme ça, je posterai des posts et je dirai les amis, c'est maintenant ou jamais, je visite votre maison en direct et on fera des lives, etc. sur PKXD où je visiterai justement les maisons. Donc là, maintenant, prochaine vidéo, ça va être je nomme les animaux avec les noms que vous avez donnés. Donc je ferai une vidéo où je choisirai les meilleurs noms d'animaux que vous avez donnés à mes pets. Et franchement, que le meilleur gagne. Franchement, ça ferait trop plaisir. Vous êtes trop créatifs, vous êtes trop les meilleurs, les copains. Allez, je vous dis à très bientôt, les amis!